Bonjour les renards, c'est Buldo, et on se retrouve pour une vidéo parlant principalement des animés de printemps 2023. Donc des animés qui sont tous terminés à l'heure actuelle. J'ai décidé de faire ce format pour vous parler plus en détail de ces animés, car justement, je les aurais vus en entier, et donc je pourrais vous donner mon avis final sur ces animés, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qui pourrait vous plaire éventuellement. Sur ce, lançons la vidéo. Donc, nous commençons cette vidéo avec la saison 3 de Demon Slayer. Bien évidemment, ça va spoil la saison 1 et 2, peut-être. Mais la saison 3 va principalement porter sur deux piliers, le pilier de la brume et le pilier de l'amour, qui avaient des histoires assez intéressantes, je dois le dire. C'était le gros point fort de la saison. Bon, comme d'habitude, l'animation est très super propre. Mais par contre, j'ai quand même préféré la saison 2. Enfin, j'ai trouvé plus belle. Et j'avoue que j'ai bien aimé l'histoire, de manière générale, de la saison 3, mais la fin m'a laissé un peu mitigé. Je vais pas en dire plus, mais... Donc j'ai été assez cruel sur la notation, j'ai mis 5 sur 10. Ensuite, nous avons Oshinoko, qui est un animé très très intéressant. L'épisode 1 était incroyable, hein. Il était vraiment bien l'épisode 1, j'avoue qu'au début j'étais un peu mitigé quand même à l'idée de le mettre avec une note aussi haute, parce que bon, après faut pas se faire avoir avec les trucs un peu à chaud. Fallait voir le reste de la saison. Mais franchement, petite pépite Oshinoko. J'ai beaucoup aimé le fait que ça parle du monde du spectacle, notamment. Si je peux dire ça comme ça, du cinéma, et puis même du chant. Non, c'était intéressant de voir un peu l'industrie et comment ça marche. Non, c'était un chouette animé. Il m'a bien entraîné, donc 9 sur 10. Je pense que c'est clairement devenu un de mes animés favoris. Ensuite, il y a El Paradise. Alors, El Paradise, j'ai vraiment adoré El Paradise. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le côté un peu île très particulière, tout ça, avec des monstres dessus et tout. C'était vachement stylé. Les persos étaient assez cool aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé les personnages. Notamment le personnage principal, j'aime bien. La Gabi Maru, le vide. Donc, on va partir sur la note de 7 sur 10. J'ai bien aimé le côté très étrange. Et puis, nous continuons sur Mashal. Donc, Mashal, concrètement, c'est One Punch Man combiné avec Harry Potter. Je vais être un peu cruel, mais c'est deux licences que j'aime, mais sans plus. Et du coup, un mix des deux, ça fait 5 sur 10. Concrètement, Mashal, je ne vois pas trop quoi lui mettre d'autre. 5 sur 10. C'était fun, mais voilà. Alors, Dead Month, Dead Play. Death Play. Ça parle d'un nécromancien qui va se réincarner dans un autre... Ah ouais, le reverse isekai. Mais j'aime bien les histoires de nécromanciens, faut noter. Et je me suis quand même pas mal laissé entraîner par l'histoire qui fait un peu enquête, tout ça. J'aime beaucoup les thrillers et tout. Donc pour moi, ça part sur une note de 6 sur 10. Yusha Gashinda. Bon, alors concrètement, c'est un isekai. Non, pas un isekai. C'est pas un isekai, c'est un monde de fantasy. Et du coup, le héros principal tue le héros de... le héros du monde, si je peux dire ça comme ça. En le faisant tomber dans son piège. C'est pas vraiment volontaire, mais... Donc il va se retrouver à cause d'une nécromancienne, ouais, ça parle beaucoup de nécromancie, dans le corps du héros qu'il a tué, quoi. Il va devoir se débrouiller pour tenir le rôle du héros. Donc ça, c'était un animé un peu fun, avec des scènes un peu bizarres, voilà. On va dire que les premiers épisodes, c'était cool, franchement. En fait, souvent, le problème dans ce genre de truc un peu, c'est les premiers épisodes qui changent un peu, quoi. Je me réincarne en araignée. J'ai beaucoup aimé Kumon, en tout cas, ça va. Mais c'est pour ça. Après, le héros, il devient puissant. Bon, il y avait quand même quelques trucs qui allaient, mais... Après, tu te retrouves un peu avec, comme les isekai un peu classiques, où le héros, il est super pété, il pète la gueule à tout le monde, quoi. Il n'y a plus trop de tension, en fait, après. Ça, c'est un peu emmerdant. Donc, 5 sur 10. Mahou Shoujo Magical Destroyer. Alors... Mahou Shoujo Magical Destroyer, c'est un peu l'ovni de la saison. C'est un peu n'importe quoi, c'est bien barré. En gros, ça raconte l'histoire d'un monde où les otaku ont plus le droit d'être des otaku, quoi. Donc d'aimer des trucs comme les trains. Mais pas seulement les animés, les mangas. En gros, t'as plus le droit d'avoir de passion, quoi, si je comprends bien le délire. Et donc, bien évidemment, on va suivre les résistants, les otaku, accompagnés de Magical Girl. Qui vont combattre, le pouvoir les empêchant d'aimer ce qu'ils aiment. Donc concrètement, un animé très très barré, hein, par un peu dans tous les sens. C'était cool, c'était vraiment très agréable à regarder, mais je vois pas de quoi mettre la note plus que 5 sur 10, quoi. C'était sympa. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et mettre un commentaire. En commentaire, vous pouvez mettre, par exemple, quels animés vous pensez voir parmi ceux que j'ai proposés. Ou lesquels vous avez déjà vus. Vous pouvez aussi discuter de votre avis sur ces animés, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, par exemple. Sur ce, bye bye!